Alors, tu sais, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur pourquoi il faut pas dater les mères célibataires. Il y en a qui n'ont pas apprécié. Je peux comprendre. C'est jamais agréable à entendre. Même si c'est factuel. Mais tu connais, les gens agissent avec émotion. Et là, je viens de tomber sur une vidéo qui illustre bien le souci. Je te laisse regarder. Who pay bills here? Okay, what's wrong with my son? Who pay all of it? The cable bill, the Wi-Fi bill. Look at him. You go eat, ain't you? Your son eating before me? Okay, but you go eat. And I take care of little dog. Little dog is disrespectful. But you go eat a plate, so why are you complaining? Look at this shit, y'all. Listen, I'm going to explain this to y'all. I work 12-hour days, construction, bill. You know how this shit go. 80-degree weather out there, 90-degree weather. I come home. She got curry. What she got? What she cook today? Some curry chicken. Curry chicken. Look, her but son. Her son. Issue. Her son is eating you before have me. A plate, though, so what's the issue? You have a plate. So what's but the you issue? Do shit like this all the time. I told you about okay, that. I told you about that. You're still eating. So what's the problem? You're still eating. Layana, I still have Layana, I'm tired of this shit, bro. You disrespectful. Okay, like so you don't want to eat. It ain't about me not wanting to eat. How the fuck you gonna feel? Why do your son gotta play before me? Because he's a do he pay? Do he pay? He was here do he first. Pay bills here? Do he pay bills here? No, but he was here first. So how the fuck you gonna play? What's the issue? You still because I'm the one who pays the fucking bills. It's okay. You still have food too. It ain't about me having food, bro. You missing the whole fucking point, man. I work all fucking day. I should get a plate first. I'm supposed to get a plate first. You gonna feed him before fucking me? You always complaining about this. Everybody eat. It's not How about about we all eat together then. Listen, it won't be no Layana, what I do, what I tell you when you moved in, that I'm the man of this house and I should be treated as such, right? All you gotta do is cook and do your thing and you know and get your kid. I keep your hair done. It's I keep your mother shit done. I take care of little dog who not even my motherfucking son. Bon, y a tellement de trucs qui va pas dans cette vidéo que je sais même pas par où commencer. Déjà, premièrement, le truc qui me choque, ça c'est du chicken curry, curry au poulet, ça. Ça c'est curry au poulet, ça. C'est quoi ce y a même pas de sauce. Non mais t'es d'accord avec moi? Ça c'est quand même c'est inadmissible. Y a même pas de sauce. Le truc il est sec, on dirait. C'est ça le curry, un plat éclaté comme ça là. Bon bref. Ah mais ça abusé quand même. C'est quoi ce curry là? Il y a Google maintenant, tu tapes comment faire un curry riz au poulet. En plus, c'est bon ça, un curry, il faut faire ça bien. Incroyable ça. Non, là, elle est pas sérieuse. Bon, ça c'est autre chose. Bref, au début, alors tu vas me dire, ouais, ça va, c'est rien. Le fils l'a mangé, etc., un petit peu avant. Non. Déjà, au début, je t'avoue que moi, je n'avais pas compris que c'était pas son fils. Au début, je pensais que c'était son fils. Et c'est vrai que ça change toute la dynamique, en fait, quand le fait que ce ne soit pas son fils. Parce qu'au début, je t'avoue, je commençais à dire, oh, ça va, il fait des chichis pour pas grand-chose, tu vois. Et après, quand j'ai eu de l'empathie, hein, ce que beaucoup ont du mal à faire, avoir de l'empathie, quand je me suis mis à sa place, et là, j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, non, c'est vraiment irrespectueux. Et je t'explique pourquoi c'est irrespectueux. Pas parce qu'il va manger 2-3 minutes après, c'est pas le problème, ça. C'est pas ça le souci. C'est tout le message qui a envoyé, l'état d'esprit qui a envoyé. Tu envoies un message clair. Que ton fils passera toujours avant moi. Ton fils passera toujours avant moi. D'ailleurs, quand il commence et il dit ouais, pourquoi tu m'as pas servi avant, dit tout de suite ouais, mais c'est quoi le problème avec mon fils? Le problème, c'est que c'est irrespectueux en fait. Et tu le vois même dans le comportement du fils, parce que au début, moi, je pensais que c'était son fils. Et je dis, c'est bizarre comment il agit le fils, parce que tu sais, il agit un petit peu comme s'il le narguait ou tu vois, il réagit pas comme si c'est ton père. Tu agis pas comme il agit là, tu vois. C'était chelou. Et après, quand j'ai réécouté, parce que j'avais pas entendu le début, j'ai compris que c'était son fils à elle et que c'était pas son fils. J'ai dit, ah ben voilà, là ça coïncide. Parce que même le fils, il est au courant. C'est comme si elle lui dit, t'inquiète pas, fiston, t'es mon fils, tu passeras toujours en premier. Ce bêta provider, il paye tout pour nous. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et c'est pour ça que c'est irrespectueux. C'est pas parce qu'il mange 5 minutes avant ou il n'a pas eu le plat avant. C'est ce que ça représente et ce que ça envoie comme message. Et tu le vois dans le comportement du fils. Le fils, il n'a aucun respect pour le gars. Pendant que le gars est en train de chialer, il dit, hey, continue à chialer, moi je mange. La manière dont il mange, ça se voit, gars.
Et là, les mères célibataires vont s'énerver en commentaire, vont me dire, ouais, mais même, et alors c'est normal que je mette mon fils en avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais maintenant, voilà, t'as ta vision, voilà comment l'homme il voit les choses. Ça veut dire qu'il est dans une famille, il n'est même pas dans sa famille. C'est comme s'il y a deux familles. Il y a elle et lui et son fils, et il y a une pièce ajoutée qui est le gars. Donc du coup, si jamais tu ne montres pas de respect, tu ne montres pas dans certaines actions, juste par tes simples actions, genre je te sers en premier, je ne travaille pas, la meuf, elle ne travaille pas, il s'occupe de ton fils, montre-lui un peu de respect, juste sers-le avant, c'est rien. Montre-lui que je suis reconnaissant, je sais ce que tu fais pour moi, tu vois. Tu n'es même pas une shape, tu fais un curry riz éclaté là. Il n'y a même pas de sauce, il n'y a même pas de piment. Oh, quand même, respecte les gens. Est-ce que je pense que toutes les femmes célibataires, c'est pas bon? Non. S'il y a des femmes célibataires qui sont intelligentes, ça peut fonctionner. Ça veut dire que si elles respectent la hiérarchie d'une famille normale, c'est bon. Mais si jamais elle met son fils en premier et après elle met le beau-père en dessous, enfin son gars, ben non, le gars il va se sentir lésé. Moi, j'ai vu des familles où ça fonctionnait très bien. Le fils, il sait qu'il est à sa place. Il ne s'est jamais senti au-dessus du beau-père parce que la mère, elle a toujours fait comprendre qu'il y a un respect, tu vois. Il devait sûrement te servir en premier ou en tout cas dans le comportement d'une manière générale. Tant que le fils ne se sent pas au-dessus du père, du beau-père, on est bon, tu vois, parce qu'il y a une sorte de respect. Donc, je comprends la tendance à la mère célibataire de mettre en avant son fils. Après, je dirais en avant que oui, c'est ça, d'abord, mon fils avant tout, je comprends ça. Ok? Mais maintenant, il faut réfléchir. Si jamais il y a déjà un gars qui vient élever ton fils, l'autre il est parti, ou en tout cas, ou c'est toi qui es parti, parce que souvent, c'est toi qui pars. 80% des divorces sont initiés par les femmes. Donc, c'est toi qui pars. Ok? Tu trouves un autre gars qui vient, qui élève un fils qui n'est même pas le sien, donne-lui un peu de respect. Serre-le en premier, ça veut dire beaucoup. Ça envoie trop de messages quand tu fais pas ça. Donc ça paraît anodin, mais des petites actions comme ça dans le quotidien, l'homme il veut juste du respect, c'est tout. Une fois que les filles, avant de réagir dans les commentaires, quand tu auras compris ça, ça va changer les choses en fait. Au lieu de penser, oui, mon fils, oui, je comprends. Mais tu veux dérespecter le gars qui paye les factures, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de ton fils. C'est irrespectueux de ouf. Ce qu'elle a fait. Maintenant, évidemment, le gars, c'est du n'importe quoi. Lui, c'est un petit gros bêta. De toute façon, lui, c'est un bêta provider. C'est vraiment l'expression. Bêta provider, ça veut dire bêta qui provide, qui paye les factures, tout ça, machin. Lui, c'est l'exemple pur. Bêta provider. T'es là, personne ne te respecte. Là, quand il doit s'embrouiller avec sa meuf, le fils, il doit venir, il doit dire, parle bien ma mère si jamais tu veux pas que je te tire. Là, c'est des trucs comme ça, il doit s'embrouiller des fois avec sa meuf. Le petit peut venir, il peut essayer de le défendre, lui tirer dessus. Et après, la mère va dire, c'est bien mon fils, tu as bien fait de me défendre. Ça doit être des trucs comme ça, gars. Donc, pour tous ceux qui veulent aller sur les mères célibataires, si tu vois qu'elle ne te respecte pas, elle te fait passer toujours après son fils dans les trucs du quotidien, ou sinon, arrête de chialer sur TikTok. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est ouvert, honnêtement. Il y en a qui peuvent dire, ouais, je peux comprendre. J'entends les gens qui vont dire, pardon, ouais, c'est bon, c'est rien, c'est juste un plat et tout, etc. Je peux entendre. Je ne serai pas d'accord, mais je peux entendre. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas, je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Ben, jette un coup d'œil. Et mon groupe des 10%, Zion, voilà, je te montre les stratégies pour créer ton business en ligne, etc. Pas à pas, les stratégies pour atteindre 5 000 euros par mois. Plus d'investissements, bref, t'as tout, ok? Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Tu es au camp.